Qu'est-ce qu'elle raconte la mère Marie? Qu'est-ce qu'elle raconte la mère Marie? Peinture d'une grande diversité, très inspirée du pop art, à l'imagination débordante, adhère volontiers aux nouvelles techniques. Donc voilà, là, je suis en train de faire un peu sécher. Parce qu'il y a de la matière. La couleur semble tenir une place essentielle, être sa grande préoccupation. Murty, c'était un grand peintre yougoslave qui ne pouvait pas sortir du temps que c'était le bloc communiste, mais après il a été s'éclater aux États-Unis. Donc on s'inspire un petit peu, enfin on prend comme maître Murty, mais on aurait pu prendre Riopel, on aurait pu prendre plein d'autres peintres comme ça qui ont fait de la peinture assez cubiste, parce qu'il y a du cubisme dedans, mais il y a aussi de l'abstrait, c'est un mélange. Voilà. Donc, on a comme référence, mais ça ne le fait pas du Murty, parce qu'elle a réalisé toute seule déjà deux tableaux toute seule. Voilà. Fait, ça ressemble plus du Murty. Donc, ça ressemble plus du Murty, parce qu'on a fait un tableau spécial, on est en train de préparer un tableau spécial, où je lui dis, écoute, tu as posé tes mains, sont devenues les mains pleines de peinture, les coudes, et puis elle a glissé sur le tableau, elle s'est cassée la gueule. Et de là, j'en ai fait un tableau bleu, qui va devenir des tableaux bleus, dans un hommage à Klim. Qui s'appelle La Gamelle. Et le tableau s'appelle La Gamelle. C'est La Gamelle. Voilà. Alors, bien entendu, j'ai profité qu'elle avait les mains pleines de bleu pour ensuite faire des impressions de mains sur des papiers aquarelles, vous voyez, d'où après elle travaillera dedans, dans ces papiers aquarelles où elle a toute la position des mains. Voilà. Donc, elle a les mains bleues. Voilà. Donc, pour compléter l'exposition, il m'est venu l'idée, pour la finir, je vais acheter une robe blanche, on va dire à s'acheter une robe blanche avec un petit haut blanc qu'on va peindre en bleu, vous voyez. Donc, on fera la peinture bleue en même temps. En bleu clin. En bleu clin. Voilà. Donc, là, je prépare une exposition bleu clin avec elle. Vous n'avez de style en style, hein, mais il faudrait toujours dans le même truc. Il y en a quand même trois ou quatre différents. Non. Tout ce qui est pop art, c'est mes modèles. Hein. Il y a ma fille. Riche de signes et de couleurs, ces espaces épris de figuration et d'abstraction s'inspirent des émois du peintre. Qui était du signe du